diable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Vous voyez un peu comment l'apôtre Paul nous parle du temps. Je commence par expliquer le temps et on va voir aussi Dieu et après on va voir notre choix aussi. Je veux commencer par vous faire un peu voir ce que l'apôtre Paul nous parle et nous parle du temps. Il nous dit que selon la parole de Dieu, il nous dit selon la parole de Dieu qu'aujourd'hui c'est le jour favorable. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Qu'est-ce qu'on appelle le jour favorable et qu'est-ce qu'on appelle le jour du salut? Le jour favorable et le jour du salut, c'est le jour où Dieu donne sa faveur à tout le monde. Le Seigneur Dieu s'approche et fait faveur à tout le monde. Dieu donne sa faveur à tout le monde. La faveur de Dieu, qui est la grâce de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a donné à toute la terre. Dans mon livre, Dieu, temps et choix, c'est cette chose que j'explique en premier. D'abord, de faire comprendre aux gens que Dieu a un cœur. C'est le cœur de Dieu qui pousse Dieu à faire les choses. Lui-même, il a dit, Jésus-Christ, quand il parlait une fois, il a dit que, oh, vous les papas de ce monde, vous donnez à vos enfants des bonnes choses. À combien plus forte raison Dieu va donner des bonnes choses à ceux qui le demandent? Voilà, c'est Jésus-Christ qui d'abord, qui prend un homme, un père de ce monde-ci, pour expliquer et comparer à Dieu son père. Et cette chose-là, c'est la même image qu'on a vue au commencement quand Dieu nous dit que créons l'homme à notre image. C'est cette image qui est le Dieu que nous sommes en train de servir. Parce que notre Dieu nous fait voir que lui aussi, il a un cœur. Et comme toi aussi, tu as un cœur, il y a deux fois, ton cœur te pousse à faire des choses. La même façon que ton cœur te pousse à faire des choses, c'est la même façon que le cœur de Dieu le pousse à faire les choses. Maintenant, le cœur de Dieu lui a poussé. La Bible nous dit que, car Dieu a tant aimé le monde. C'était dans le cœur. L'amour est dans le cœur. L'amour de Dieu était beaucoup. Alors, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Les dons là de Dieu, qui est le cadeau, c'est ce qu'on appelle la faveur. Quand Dieu a donné son Fils unique pour tout le monde, le cadeau de Dieu, qui est Jésus-Christ, Dieu n'a pas choisi un groupe de gens. Il dit que, ok, à vous seulement, je vais donner Jésus. Non, Dieu a donné son Jésus à tout le monde. Jésus-Christ est le cadeau que Dieu a donné à tout le monde. Maintenant, comment quelqu'un peut avoir comment est-ce que quelqu'un peut bénéficier de ce cadeau qui est Jésus? C'est là où vient premièrement le choix de l'homme. L'homme doit accepter le cadeau. L'homme doit choisir d'accepter le cadeau qui est Jésus, que Dieu donne. On dit que, au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Au temps favorable. Alors, quand on dit que, au temps favorable, j'étais secouru. Au temps favorable, j'étais exaucé. Ça veut dire que, il y a un temps, quand il y a la faveur, pendant la faveur, tout celui qui crie à Dieu, tout celui qui prie à Dieu, il a la réponse. Dieu vient au secours de tous ces gens-là. Et l'apôtre nous dit que ces jours-là, les jours du faveur, c'est aujourd'hui.
Les jours du salut, c'est aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui les jours du salut. Les bonnes choses doivent arriver dans ta vie. Parce que la Bible nous dit que c'est aujourd'hui. C'est les jours du faveur de Dieu. La faveur de Dieu arrive aujourd'hui. Ce n'est pas demain et ce n'était pas hier. Alors, parce que c'est aujourd'hui, l'homme doit se positionner d'une façon que quand il se positionne, il reçoit la faveur de Dieu. La faveur de Dieu est comme la pluie qui est en train de tomber sur toute la terre. La faveur de Dieu est comme une pluie qui est en train de tomber sur toute la terre. Dieu me fait faveur, Dieu te fait faveur. Alors, si cette faveur-là, les gens ne savent pas la prendre, ça sera quelque chose qui va partir au hasard. Ça sera comme une chose qui va partir en perte. Parce que cette faveur de Dieu, il faut la recevoir. Il faut la prendre. Il faut la mettre dans son cœur. Et si tu ne connais pas qu'aujourd'hui c'est le jour de la grâce, si tu ne connais pas qu'aujourd'hui c'est le jour de la faveur, aujourd'hui c'est un jour où, qu'est-ce que l'apôtre nous dit? Au jour là, le jour là, tu as appelé, je t'ai entendu, je t'ai répondu, je suis venu, je t'ai secouru. Ça veut dire que tout celui qui va appeler Dieu aujourd'hui, Dieu va l'écouter et Dieu va le secourir. C'est ce qu'on dit que la parole nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je veux être ce quiconque-là qui va invoquer le nom du Seigneur aujourd'hui pour être sauvé aujourd'hui. Voilà pourquoi je peux te dire que tu peux avoir ton miracle aujourd'hui. Voilà pourquoi je suis en train de te dire que tu peux recevoir un miracle aujourd'hui. Tu peux recevoir les plus grands des miracles que tu n'as jamais reçus. Tu peux le recevoir aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux le recevoir aujourd'hui? C'est ce qu'on vient de lire. C'est ce que je suis en train de partager avec toi. Aujourd'hui, c'est le jour de la faveur. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Aujourd'hui, c'est maintenant que Dieu te fait grâce. C'est maintenant que Dieu te rend la faveur. C'est maintenant qu'aujourd'hui, Dieu te regarde avec toute faveur. Aujourd'hui, aujourd'hui. Le livre de Hébreux nous dit que aujourd'hui, ça doit être dans Hébreux 3, que c'est aujourd'hui, si tu attends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Comment ça? C'est là où je parlais du choix. Que bien qu'il y ait la faveur de Dieu, qui est en train de couler comme une pluie, il t'est donné à toi de l'accepter. Il t'est donné à toi de prendre cela dans ton cœur. La faveur de Dieu est pour toi. Tu dois choisir de prendre cette chose-là. Dieu ne va pas te faire une faveur demain. Dieu ne va pas te faire une faveur la semaine prochaine. Dieu te donne sa faveur aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu puisses prendre ce qu'il te donne aujourd'hui. Et cela doit entrer dans ton cœur. Cela doit entrer dans ton cœur. Dieu t'aime. Comme on a vu que, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Dieu t'aime. Dieu s'intéresse à toi. Tu as un prix dans les yeux de Dieu. Tu as un grand prix dans les yeux de Dieu. Quand Dieu te regarde, il te donne un grand prix. L'âme d'une personne a un prix que personne ne peut calculer, que personne ne peut mesurer. L'âme d'une personne. C'est pourquoi la Bible nous dit quelque part que même si tu fais tous les efforts du monde,
tu ne pourras pas racheter ton propre âme parce que c'est impossible. Le prix là ne peut pas être calculé. Voilà pourquoi ce n'est pas un ange qui est mort pour nous racheter, mais c'est le Fils de Dieu lui-même qui était venu et qui a donné sa vie pour nous racheter. Mais là, le rachat là est un rachat pas seulement pour les gens qui acceptent aujourd'hui. Même les gens qui ont refusé, qui sont en train de refuser d'accepter, Jésus-Christ les a rachetés. Jésus-Christ a racheté tout le monde. Et tout celui qui acceptera ce rachat se retrouvera dans la bénédiction du rachat. Jésus-Christ a racheté, il a rendu tout le monde libre. Maintenant, les gens libres doivent dire que, oh, on m'a racheté. Je suis libre. Je ne veux plus rester en prison. Je sors. Et tout celui qui va faire ça et qui va sortir, personne ne pourra l'arrêter. Voilà les saluts de Dieu. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Le mot salut veut dire quoi? Le mot salut vient de la même famille du mot être sauvé. Être sauvé. Quand on est sauvé, on a le salut. Alors, sauvé et salut, quand on dit qu'aujourd'hui c'est le jour du salut, ça veut dire que aujourd'hui c'est le jour où tout le monde est sauvé. Tout le monde est sauvé. Jésus-Christ a, je dois répéter ça, Jésus-Christ a déjà sauvé tout le monde. Maintenant, c'est quoi être sauvé? Être sauvé, ça veut dire quoi? Quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont perdu leur vie. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu leur identité. Ils ont perdu tout ce que Dieu les avait donné quand ils avaient créé. Rappelez-vous que Dieu avait créé l'homme à son image. La faute, les péchés de l'homme a fait que l'homme ne pouvait même plus se rappeler de son propre image. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, la Bible nous dit qu'ils se sont vus nus. Et se voir nus, c'est quoi? C'est ce qu'on nous dit encore, qu'ils avaient perdu leur gloire. Maintenant, quand on nous parle du salut, c'est ça le salut. Le salut vient pour faire que tout ce que l'homme avait perdu, quand Satan était venu dans le jardin ce jour-là, le salut de Dieu vient ramener toutes ces choses-là. Quand Dieu vient te sauver, il vient te donner ta gloire. La gloire que tu avais au commencement. La gloire que Dieu avait donnée à Adam et Ève, qu'ils avaient perdue. Parce que la Bible nous dit que le méchant, le diable, vient pour voler, tuer et détruire. Alors, c'est ce qu'il avait fait dans la vie d'Adam et Ève. Quand il a fait cela dans la vie d'Adam et Ève, c'est une chose qui s'est répétée aussi dans la vie de tous les hommes qui venaient. Cette chose-là s'est répétée dans leur vie. Maintenant, Dieu est venu pour nous donner le salut. Et le salut, c'est quoi? Le salut, c'est remettre toutes les choses qu'on t'avait volées. L'identité, la gloire, la maison que Satan avait volée, tout ce que Satan avait détruit, le Seigneur est venu le remettre en Jésus. Ça veut dire que quand tu reçois Jésus, quand tu invoques le nom de Jésus, tu dis, Seigneur Jésus, sauve-moi. Le Seigneur vient dans ta vie et il remet tout ce qui on t'a volé. Alors, les saluts de Dieu dans ta vie, ça entre dans ton âme, ça entre dans ton cœur, ça entre dans ton cerveau, ça entre dans tes poumons, ça entre dans ton corps. Ça entre dans ton esprit, ça entre dans ton cerveau. Et quand ces choses-là entrent, tu es réparé. Tout ton toit est réparé. Ta maison est réparée.
Là où tu habites, ton pays est réparé. Là où tu te mets est réparé. Ta maison, ton jardin est réparé. Quand Satan avait volé les histoires de l'homme dans le jardin, ça veut dire que l'homme qui devait vivre dans un joli jardin a perdu son jardin à cause de la faute, à cause du péché. Ça veut dire que l'homme, ce jour-là, était passé de la liberté qu'il avait à une prison. Et c'est le prison de la malédiction, le prison de sécheresse, le prison de la mort, le prison du ténèbre. Et toutes ces choses-là, c'est ce que Jésus-Christ est venu détruire. Jésus-Christ est venu détruire toute la malédiction. Jésus-Christ est venu détruire toutes les prisons. Jésus-Christ est venu briser toutes les chaînes pour apporter le salut à l'homme. C'est ça être sauvé. Alors, être sauvé, c'est ce qu'on voit aussi quand les enfants d'Israël étaient en Égypte. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, quand leur salut est venu, leur salut était venu avec la parole de Dieu que Moïse avait amenée. Et Moïse, il a amené la parole, il a dit à Pharaon, Pharaon, ainsi dit l'Éternel, laisse les enfants d'Israël sortir. Pharaon avait dit que non, je ne veux pas les laisser partir. Parce que je ne connais pas le Dieu qui t'a envoyé pour me dire de laisser les enfants d'Israël partir. Alors, il y avait eu un combat. Il avait eu un combat spirituel entre le Dieu d'Israël qui avait envoyé Moïse et tous les magiciens et tous les démons de l'Égypte. Maintenant, quand Pharaon avait vu que le combat était devenu difficile, il a appelé Moïse, il lui a dit, ok, Moïse, tu peux partir, toi. D'abord, il a dit à Moïse, tu peux sortir, toi et les hommes, vous partez et priez. Après, revenez. Moïse a dit que non, nous allons sortir. Nous, nos femmes, nos enfants, nos histoires et tous nos animaux. Pharaon a dit que non, vous n'allez pas sortir. Alors, Dieu a encore frappé l'Égypte. Pharaon est venu encore, il a dit, ok, vous pouvez sortir, vous, vos femmes et vos enfants, mais laissez vos animaux. Moïse a dit que non, nous sommes en train de sortir, nous, nos femmes, nos enfants, nos animaux et toutes nos choses. On ne va pas laisser même un petit sabot. Vous voyez que quand Dieu avait fait sortir Israël de l'Égypte, ils ne sont pas sortis les mains nues. Ils sont le salut de Dieu. Alors, quand l'apôtre Paul nous dit qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut, il est en train de nous dire qu'aujourd'hui, c'est le jour-là. Pareil au jour où Moïse est venu visiter les enfants d'Israël pour le faire sortir de l'Égypte. C'est pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, toi aussi, tu dois te dire que non, je suis sauvé, mon âme est sauvée, mon cœur est sauvé, ma tête est sauvée, mon cœur est sauvé, ma vie, toute ma vie est sauvée. Je suis sauvé, moi et ma vie. Et tu peux partir et dire aussi que je suis sauvé, moi et ma maison. Je suis sauvé, moi et toutes les choses qui sont autour de moi. Je suis sauvé. C'est ça le salut de Dieu. C'est ça le salut que l'apôtre Paul est en train de nous prêcher. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Et quand l'apôtre nous dit ça, quand il dit aujourd'hui, quand il dit aujourd'hui, quand il dit maintenant, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va arriver l'année prochaine. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans 2 ans. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans 10 ans. Quand il dit aujourd'hui, quand il dit maintenant, il est en train de nous dire que c'est une chose qui doit se passer maintenant. Le temps de Dieu
C'est un peu ce que c'est un peu ce que je dis dans mon livre. C'est un peu là où j'ai. Donc, ces choses ici, si tu veux comprendre et voir en détail, lis mon livre, tu vas un peu voir en détail ce que je suis en train d'expliquer. Je entre en détail pour expliquer les temps. Pour expliquer, parce que il y a un temps où tout le monde est en train de regarder les temps et suivre les temps. Que les gens sont en train, ils disent que, oh, par exemple, un élève, il est en train de fois, il est en train de faire son devoir, ou bien il est en train de faire l'examen. Et quand on donne l'examen, on dit que cet examen, vous allez faire pendant 1 heure. Et tout le monde commence à faire l'examen. Et quand on regarde l'heure, il y a 55 minutes, ça veut dire qu'il y a 5 minutes qui restent. Et vous allez voir les élèves en train de faire tout pour bien répondre à ces questions. Maintenant, quand 1 heure termine, c'est terminé. Tu n'as plus le temps d'ajouter à cette question-là. C'est un peu en regardant à l'heure, au temps, comme ça, tu vas un peu voir que le temps devient en haut et l'homme est en bas en train de chasser le temps, en train de courir pour terminer le travail à temps, en train de regarder, ok, cette chose ici, on te dit, pour construire une maison, tu as besoin de 6 mois pour construire la maison. Ou bien, pour cultiver ton champ, tu dois attendre la saison de pluie. Que pendant la saison sèche, tu travailles ton champ. Et pendant la saison de pluie, ton champ commence à recevoir l'eau. Et puis, tu dois attendre jusqu'à la fin des saisons pour qu'après là, tu puisses aller avoir ta moisson. C'est un peu comment le temps là est. Mais vous allez voir que ce temps-là, en regardant l'état de la moisson, tu vas voir que le temps devient le maître de l'homme. Parce que quand l'homme n'a pas assez de temps, l'homme meurt. Quand tu regardes ta montre et tu dis, oh, mon temps est arrivé, l'homme meurt. Pourquoi? Parce que l'homme devient maintenant le servant du temps. Maintenant, vous allez voir que cette chose-là, Jésus-Christ n'a pas respecté. Quand Jésus-Christ est venu dans ce monde, il n'a pas respecté. D'abord, pour commencer, il n'a pas respecté les sabbats. Il est venu, il a dit que, écoutez, vous n'avez pas compris. Le sabbat n'a pas été fait pour que l'homme puisse servir les sabbats. Mais le sabbat a été fait pour que le sabbat puisse être un jour où l'homme se repose. Il était venu, il a dit que, oh, le fils de l'homme est le maître du sabbat. Les gens, c'était fou. Les gens n'ont pas compris ça. Et il est parti encore. Il nous a démontré ça, que quand il a changé le vin de l'eau en vin, il nous montrait par là que, oui, il faut attendre 10 ans, 20 ans, 50 ans pour avoir un bon vin. Mais lui, il a fait ça en quelques minutes. Il a tourné l'eau en vin. Et c'était le meilleur vin du monde. Alors, les seigneurs, en faisant ces choses-là, il était venu nous dire que on peut sortir de la captivité du temps pour redevenir maître du temps. Parce que la Bible nous dit que tout ce que Dieu avait créé, il a pris ça, il a mis ça en dessous de l'homme. L'homme est en haut de tout ce que Dieu avait fait. Dieu a créé l'hippopotame. L'homme est en haut de l'hippopotame. Dieu a créé le lion. L'homme est en haut du lion. Dieu a créé le temps. L'homme est en haut du temps. Tout ce que Dieu a créé est en bas. L'homme est en haut. Dieu a créé l'homme à son image. Adam et Ève, ce sont nos parents. Ils étaient en haut du temps. C'est pourquoi dans la Bible, tu ne vas pas voir où un jour où on nous dit que Adam et Ève avaient cet âge. Non. Parce que pour eux, on ne comptait pas les heures. Bien que Dieu avait créé les temps, les minutes et les secondes, les temps, les minutes et les secondes n'avaient pas d'effet sur Adam et Ève. C'est pourquoi on ne nous dit pas combien de temps Adam et Ève sont restés dans les jardins. Parce que pendant ce temps-là, ils étaient en haut. Il y a un temps, il y a une ligne. Tout ce qui est en bas ici, c'est le temps. Il y a en haut là, c'est en dehors du temps.
C'est là où Dieu habite. Dieu est l'Éternel, il est en haut du temps. Maintenant, il entre dans le temps pour faire un travail. Bien qu'il entre dans le temps, il est toujours en haut du temps. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait mourir et ressusciter. Il disait qu'après 3 jours, je vais ressusciter. Mais c'était quelque chose d'étonnant. C'était étonnant comment? C'était étonnant à tout le monde qui était sous la mort, sous les temps. Maintenant, tous ceux qui sont en haut, tous ceux qui sont surnaturels, ils ont le pouvoir en haut de toutes ces choses-là. C'est là où le Seigneur nous amène. En nous disant qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut, il est en train de nous dire aussi qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en bas du temps, mais nous sommes en haut du temps. Nous sommes en collaboration avec l'Éternel. Nous sommes en collaboration avec l'éternité. Dieu est l'éternité. Dieu est l'Éternel. C'est lui notre papa. Il nous a amenés à son image. L'image qu'on avait perdue quand on était tombé, quand on était sous la loi, quand on était des pécheurs. C'est cette image qu'on a dans le salut de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ nous donne son salut, il nous donne aussi l'identité qu'on avait avant. C'est cette identité que vous allez voir que quand Josué était dans le combat, il a regardé que, oh, avec le temps qu'il a, c'est peu. Il ne pourra pas taper tous ses ennemis comme il veut les taper. Alors, il a prié pour que le soleil puisse s'arrêter, pour que la lune puisse s'arrêter. Et en arrêtant le soleil et la lune comme ça, il avait maintenant beaucoup de temps pour bien taper tous ses ennemis. Ah, je prophétise sur toi que toi aussi tu vas avoir beaucoup de temps pour taper tous tes ennemis. Toutes tes choses hein, qu'on t'a volées et tu regardes que non, je ne pourrais pas courir pour les rattraper et recevoir mes histoires. Le Seigneur te dit, tu peux les recevoir. Le livre Dieu, temps et choix par le docteur Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends un copie pour toi et sois béni par le Seigneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez en mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage. Je suis aussi sur Facebook. Cherchez-moi sur Facebook, Dr. Coco King, et sur ma page de Facebook, là, vous pouvez entrer en contact avec moi, discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. Et si vous vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. The book God, Time and Choice by Dr. Coco King is already available on the market. Get a copy for yourself and
be blessed. In this book, God, Time, Angels, you will discover how to make the best choice that God has always wanted you to make every single day. Get a copy for yourself and be blessed. God bless you.